Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui ça va être un petit tuto un petit peu dans la même ambiance que la semaine dernière. La semaine dernière je vous ai proposé un petit calendrier de l'Avent un peu spécial. Hop là, en forme, hop là, de petits livrets. Et quand on l'ouvre, voilà, on a un bel éventail avec des petites pochettes, plein de petites pochettes. Là, en l'occurrence, il y en a 24 pour mettre plein de petites surprises pour les scrapeuses. Hein, par exemple, des petits mots, des petits sachets de thé, des petits autocollants, des petits die cuts, des petites découpes, etc. Voilà, ça peut être des petits cadeaux tout simples à mettre dans un petit livret tout mignon, tout sympa. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et du coup, cette semaine, je vous propose une autre façon de faire un calendrier de l'Avent qui va être tout aussi sympa. Allez, c'est parti. Alors, déjà, vous allez vous procurer deux cartonnettes. Voilà, j'ai pris un peu d'avance. Les cartonnettes, je les ai recouvertes de papier craft hein, de chaque côté. Hein, mais il s'agit de carton de récup. J'ai récupéré une boîte... c'était de chez Action, une boîte où il y avait une loupe à l'intérieur. Voilà, j'ai récupéré le carton, je l'ai décortiqué et j'ai récupéré de la cartonnette. Et là, c'est une cartonnette qui mesure 11 cm pardon, par 16,5. Voilà. Donc, deux petites cartonnettes comme ça, recouvertes. Et après, on pourra les décorer, mais à la fin. Et ensuite, eh bien, on va garnir nos petites cartonnettes de petites pochettes. Alors, pour ce faire, on prend hop là, une feuille A4. Une feuille A4 et je vais faire un premier pli à 7 cm. Voilà. La semaine dernière, je vous ai proposé des pochettes qui mesuraient... C'était des petites pochettes qui mesuraient 8 cm, je crois, de mémoire, je ne sais plus. Hop là, 8 cm, me semble-t-il. 8,5. Et bien là, je vais vous proposer des pochettes qui mesurent 10 cm. Donc, on fait un pli à 7 cm. Et un pli de l'autre côté, hop, à 4 cm. Alors, on marque bien ses plis, voilà, d'un côté, puis de l'autre. Et ensuite, on va tout simplement venir coller la petite languette sur la grande languette. Donc là, on va coller à peu près 1 cm, voilà, un petit centimètre. On met de la colle. Voilà, on prend son temps, on ne fait pas de bêtises pour pas que ça déborde. Du moins pas trop. Hop là, j'ai mis la colle. Je ferme hop, le petit rabat. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on vient plier en deux. Hop là. On vient plier en deux notre petite feuille une fois qu'elle est bien collée. Donc là, hop, bien bord à bord. Et nous avons nos deux petites pochettes. La semaine dernière, pareil, je vous ai proposé du coup 8,5 par 10 cm. Mais cette fois-ci, je vais garder la totalité. Hein, donc, ça va faire une pochette de 15,5 à peu près. Ou non, je dis une bêtise. 14,8 de longueur. Voilà. Donc, c'est des grandes pochettes cette fois-ci. Hein.
vraiment grande, donc il y a de quoi mettre à l'intérieur pas mal de choses pour faire plaisir à notre entourage. Alors là, nous avons donc constitué des petites pochettes comme ceci. Et cette fois-ci, on ne va pas coller, on va les assembler. Donc pour les assembler, on va découper plein de petites languettes comme ceci. Alors là, celle-ci mesure 5 cm, voilà, hop, 5 cm par 5, 6, 7, 8 et demi, hop, que j'ai plié en deux. Voilà, tout simplement. Et on va venir caler cette languette à l'intérieur, comme ceci, des pochettes. Voilà. Donc, on met de la colle. Alors, on fait attention à ne pas mettre trop de colle non plus, parce que sinon, ça va déborder à l'intérieur des pochettes. Et on ne veut pas que ça déborde. Donc, on étale sa colle. On en met un petit peu. Et après, on étale la colle pour que ça puisse rentrer un petit peu dans le papier. Voilà, comme ceci. Et on va donc rentrer la languette d'un côté, puis de l'autre. Hop, et on assemble les petites pochettes comme ceci. Et on attend évidemment que ça sèche, hein, avant de jouer avec. Voilà. Évidemment, je me suis avancée un petit peu. Voilà. J'en ai fait quelques-unes. Voilà. Et maintenant, il faut les assembler toutes. Ces petites pochettes, il faut les assembler toutes ensemble. Donc, pour ce faire, hop, on vient d'en faire une comme ça. Eh bien, on va assembler une à côté en prenant toujours pareil les petites languettes. Et après, on met de la colle et on vient assembler les pochettes entre elles. Tout simplement comme ceci. Hop, et on continue jusqu'à avoir un nombre de pochettes qui nous convient. Je ne sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est pas mal, 12 pochettes. Après, on peut continuer autant qu'on veut, hein. On peut en faire jusqu'à 24, hein, 25, etc. Et après, ça va nous faire... Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 10 pages. Et oui, parce qu'il va y avoir un petit carnet aussi. Voilà, ça va être des pochettes et un petit livret très très sympa. Alors, je vais faire hors caméra l'assemblage de toutes mes petites pochettes, hein, parce que je pense que vous avez compris le principe. On prend une petite languette et on assemble les pochettes entre elles. Voilà, les unes aux autres. Pour qu'elles soient bien assemblées les unes aux autres, etc. Hein, d'accord ? On continue comme ça, donc je fais ça hors caméra et je reviens. Et voilà du coup ce que ça donne une fois que toutes les petites pochettes sont assemblées. Voilà ce que ça fait. C'est plutôt sympa. Voilà, on a quand même 12 petites pochettes. J'aurais pu très bien en rajouter autant que je... Voilà, autant que... On en a envie, hein. Il n'y a pas de limite. Enfin, faut pas non plus exagérer non plus, hein, mais il ne faut pas mettre 50 pochettes non plus. Mais bon, on peut monter jusqu'à une vingtaine quand même. Hein. On peut, c'est possible. Bref, je me suis arrêtée à 12. Cette fois-ci, on va prendre ces petites cartonnettes. Voilà, on va se les mettre ici sur notre plan de travail. Et on va mettre cette fois-ci de la colle sur la partie ici, la totalité de notre petite pochette pour venir les caler sur la première cartonnette ici devant nous. Voilà, on centre bien le tout comme ça pour que ce soit bien calé. Allez, c'est parti. Donc, on met de la colle. On peut très bien aussi utiliser du double face, ça marche aussi, hein. Mais là, bon, j'utilise donc de la colle. J'aime bien l'odeur de la colle comme ça, sympa. Bref, je centre bien sur ma petite cartonnette. Hop,
Je pense que c'est bon. Je suis à peu près calée, je pense. Voilà. On va dire que c'est OK. Ensuite, ben là, même punition pour cette pochette. Je vais mettre de la colle également sur ce côté-là. Et on vient prendre sa deuxième cartonnette que l'on va caler bien en face de l'autre cartonnette. On fait en sorte que ce soit bien en face, tout pareil. Hop, on prend le temps justement, on n'est pas pressé. Voilà, on fait attention, je pense que c'est OK. Et là, on attend que ça sèche. On ne touche plus à rien, on met du poids, on attend. Voilà. Et ensuite, ben, je reviens, une fois que ce sera sec, hein, je reviens vers vous pour vous expliquer la suite. Nous voilà du coup pour la suite de notre petit calendrier de l'Avent qui a séché. Donc voici ce que ça donne de ce côté-là. Voilà, donc ça fait des grandes pochettes pour mettre plein de petites choses bien sympas pour les copinettes. Et de l'autre côté, ça va nous faire un petit carnet. Voilà, un petit livret où là aussi on va pouvoir décorer chaque page et pourquoi pas offrir quelque chose, par exemple un petit format. Que l'on a fabriqué, voilà, pour l'occasion. On peut l'offrir, voilà, vous voyez bien, le bill scrap là, il passe très très bien. On peut faire soit le coller avec une petite de la pâte à fixe ou faire une petite pochette pour glisser du coup des petites surprises supplémentaires. Voilà, vous pouvez également, pourquoi pas, offrir un petit format et dans les pochettes, pourquoi pas, mettre ce qu'il faut pour faire un défi, pour réaliser un petit format. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on ferme ce petit carnet pochette? Eh bien, je prépare, j'ai pris deux morceaux de ruban, comme ceci. Voilà, des grands rubans. Je vais en coller un sur le milieu de la face ici devant moi. Donc, je prends du double face. Hop là. Alors là, attention, je ne vais pas aller jusqu'au bord, hein, parce que sinon ça va se voir. Donc je vais faire sur la partie au milieu, comme ceci. Hop. Et là aussi, je ne vais pas jusqu'au bord, je fais bien attention. Voilà. Je vais enlever la petite pellicule de mon double face. Je prends mon ruban. Hop là, et je vais le caler sur mon double face, hop là, comme ceci. Et je remets une bande de double face dessus pour bien coincer mon ruban. Comme ça, je suis sûre qu'il ne bougera pas. Voilà, comme ceci. Et je vais venir coller un papier déco. Non, pas celui-ci. Hop là. Celui-ci. Voilà, pour bah, décorer la façade de mon petit carnet, hein. Ça va être plus sympa quand même. Alors c'est parti, je le colle et on y va. Hop là, la face de devant est faite. Je n'ai plus qu'à faire exactement la même chose derrière avec un autre ruban. Hop, je prends toujours pareil du double face. Hop, je le mets, hop là, au milieu. Je cale mon ruban. Hop, je fais en sorte que ce soit quand même assez équilibré de chaque côté, hein. Hop là. Je remets du double face. Et je viens coller mon deuxième papier déco, hop, par-dessus. Et voilà, maintenant, ben sur les côtés, c'est tout simple, hein. On peut venir fermer avec un petit nœud le côté du carnet. Hop, et on peut venir comme ça ouvrir facilement notre côté soufflé. Hop, si on veut faire l'inverse, eh bien, on ferme les petits soufflets avec le ruban. Ça permet de coincer ce qu'il y a à l'intérieur des pochettes. Voilà, ça s'échappera pas. Et voilà notre petit calendrier de l'Avent
double utilité. Voilà. Mais écoutez, après, il ne vous reste plus qu'à décorer un peu plus, évidemment, votre petite façade, hein, pour que ce soit un petit peu plus sympa, un peu plus joyeux, hein, avec un joli sentiment, etc. Et il ne vous restera plus qu'à le garnir et à l'offrir à une personne, une connaissance, une copinette, etc. Voilà, et bien écoutez, voilà pour le petit tuto du jour. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces et des commentaires. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.